Je viens juste d'arriver à Exuma, une des îles des Bahamas. Il fait une chaleur terrible, il y a un grand soleil, c'est super. Eh bien, bonsoir, ça y est, je me suis installé donc dans mes appartements, dans cet endroit magnifique qui est l'île d'Exuma. Et vous voyez, quelquefois, les choses ne se passent pas comme prévu. Dans votre entreprise, c'est pareil. Il peut y avoir des problèmes alors que vous avez tout fait pour que tout fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, il vous reste le service client. Et c'est le service client qui fait toute la différence. Si vous pensez à vos clients dans des tempêtes, dans des moments où le ciel se couvre et que vos clients rencontrent des problèmes particuliers, c'est vous qui allez faire la différence. Parce que rien n'est jamais parfait dans une entreprise. Et c'est donc très important, quand le client se trouve en difficulté, de lui trouver des solutions. Aujourd'hui, il pleut des trombes d'eau, donc c'est très rare, puisque je suis actuellement aux Bahamas, et c'est un pays où en général le soleil est toujours présent, mais là il y a un gros grain. Alors quand les gens ont un problème particulier, c'est important de penser à eux. Par exemple, penser à un parapluie. Et vous, quel parapluie utilisez-vous pour vos clients quand ils ont un problème? Est-ce que vous pensez à utiliser un parapluie qui va leur permettre de solutionner leurs problèmes? Et maintenant, j'attends peut-être d'avoir un parapluie pour rentrer chez moi. Bon, et ben finalement, je rentre complètement trempé, puisque je n'ai pas de parapluie. Alors, c'est très important de vous poser la question suivante. Dans mon entreprise, à chaque fois qu'il pleut, qu'est-ce que je peux faire pour mes clients? C'est ce petit plus que vous allez faire pour vos clients, cette question que vous devez toujours vous poser, au lieu de dire, bon, bah, il va se débrouiller. Non, il ne va pas se débrouiller. S'il pleut, il va être trempé. Et si votre client a un problème dans votre entreprise, il a besoin qu'on solutionne son problème. Ce petit plus pour le client, c'est ce qui fait la différence avec vos concurrents. Voilà, je vous souhaite le meilleur avec vos clients et je vous dis à demain.